offrande du jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. D'un cœur sincère, rendons grâce à Dieu. Je te remercie, Seigneur, de me permettre de vivre aujourd'hui et demain, comme hier et chaque jour de ta grâce, de cette terre qui demeure pour moi, pain et lumière. Je te remercie de l'opportunité que tu m'offres de vivre avec mes frères et sœurs, ici et en ce moment, connaissant les peines et les joies des uns et des autres. Je te prie que ni l'avenir, ni la mort ne nous séparent de ton Fils Jésus-Christ et de son amour pour tous les hommes. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
Seigneur Père très saint, tu as voulu que ton propre Fils soit la rançon de notre salut. Accorde-nous de vivre avec lui, si bien que notre communion à ses souffrances nous fasse ressentir les effets de sa résurrection. Lui qui règne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.